Salut à tous, c'est Skizar et on se retrouve sur Fallout 4 pour le sixième épisode des Roleplay Settlements. On se retrouve aujourd'hui au hangar à bateaux de Taffington pour visiter l'hôtel et la taverne des miliciens. Donc toute personne qui est affiliée, qui est amicale avec nous, a totalement le droit de venir, comme ces charmants miliciens qui ne sont pas du tout, Bonjour. ils font pas du tout partie de la colonie. Qui sait ce Je qu'on sais pas vient d'où ils faire viennent. là-dessous? Mais voilà. Paradise Food, Hotel and Tavern. Ceux qui ont reconnu la petite référence de Paradise Food, notez-les dans les commentaires. Je suis curieux de savoir combien de personnes connaissent l'univers de Fallout. Et on va visiter ça directement. J'ai mal Donc au voilà, je dos les ai habillés et j'ai mal aux classe pieds. en général. En fait, j'ai mal partout. Le restaurant est sur le thème de Silver Shroud. L'espèce de détective Ah, des bordel, comics vous sentez ça? Ça vient de l'eau ou vous êtes de tombé l'univers sur une Fallout. scène de carnage? Donc voilà, Hein? quelques décos. J'ai utilisé juste un Faut mode, le travailler même pour que payer. dans la dernière C'est aussi vidéo, c'est simple le que ça. USO, où il y a vraiment pas mal de décos en plus, qui fait vraiment plaisir. On retrouve Nick Valentine. Il m'a fait penser à Shroud avec son petit chapeau, donc voilà, petite À référence. mon avis, le tourisme ne doit pas être très florissant par Ah ici. bah Vous regarde, avez entendu pourtant. parler de cette ferme tenue par des ghouls? C'est dingue, non? Ouais, c'est Mince, dingue. il faut prendre les Arrêtez choses de à me son parler, plein esprit. je suis en train de tourner une vidéo, les gars. Alors, une petite radio sympa pour l'ambiance. Petite arlette décoration. L'agriculture, c'est un travail Il honnête. y a des femmes. Il y a de quoi jouer. Voilà, c'est vraiment le lieu de détente des miliciens. C'est pas du tout compliqué à faire, ça va vraiment Vous vite. voulez faire tempête? Il n'y a pas Bonne énormément chance. de détails. Il suffit juste de lancer les choses correctement, avoir une bonne lumière pour donner l'ambiance. Et voilà. On a notre Personne ne mangerait serveur. sa faim. Donc pas du tout en N'oubliez pas tenue les ennemis. militaire ou quoi, c'est vraiment détente. Alors la cuisine est un peu partie en couille. Bah ça arrive souvent dans Fallout. Une fois qu'on dépose des objets comme ça, bah, souvent Mon avis, le ça bouge. tourisme ne doit pas être très florissant par Bah, les ici. bouteilles sont restées en place, c'est le principal. Alors, ça Oui. c'est tout le côté restaurant, donc on peut y mettre quand même pas mal de personnes. J'ai tourné ça le Votre ferme ne soir, paie pas de comme mine? ça bah, tout le monde était Ça ne veut rien en dire. train de Pour manger et moi, tout, une ça bonne donne journée, vraiment c'est quand on ne l'ambiance. se trouve pas par terre. On va à l'étage. On a un vigile qui surveille, qui prend les réservations. Il y a le coffre-fort ici. Voilà. Il y a un petit cadavre par la N'ose porte, pas par la fenêtre imaginer ce que plutôt. cet endroit fait à mes pauvres circuits. J'ai du boulot, j'ai Et pas alors les d'humeur. couchettes. Ouais, c'est pas un hôtel 5 étoiles, hein. C'est vraiment de quoi se reposer en chemin, quoi. Hein? Donc voilà, c'était un Hein? petit tour Sont vraiment complètement très encore des rapide. bonbonnes. Je vous Devons fais y un aller petit tour faire de un tour. l'extérieur, Les mais c'est serveurs pas ne tiennent pas sur nécessaire. parole. Même si la vue est chouette avec l'eau, enfin c'est en bord de mer, c'est assez sympa. La salle technique, bah, y a rien de spécial, deux générateurs et de quoi faire de l'eau. En autosuffisance, bah, voilà, chaque colonie Ah, bordel, fait sentez sa ça? propre nourriture, Ça du vient de moins pour l'eau la ou vous êtes tombé plupart. sur une scène de carnage? Donc j'ai quelqu'un qui travaille, enfin j'ai une fermière qui travaille ici. Il y a une brahmine qui est venue, je lui ai mis un petit bassin et voilà quoi, c'est son petit enclos. Niveau défense, il y a deux tourelles, il y a un garde ici, un garde à Hein? l'intérieur, et je me limite à ça. J'ai pas besoin de plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses de valeur à protéger ici. C'est ce qui peut bien vivre là-dessous. Donc voilà. C'est la fin de cette visite, c'était vraiment très rapide. Je vous dis à la prochaine pour une autre visite guidée de Fallout. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager, des idées de thèmes et de lieux que j'ai pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.